Améliorez votre expérience sur Internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur Internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Chers amis, bonjour. Pour être tout à fait sincère, boucler la boucle au stade Félix Bollaert de Lens ce dimanche soir ne sera important que pour les Lensois, si j'ose dire, dans leur course à l'Europe, dans leur quête à l'Europe. Ils n'auront besoin que d'un point, un tout petit point, pour être certains d'être européens aux dépens des Marseillais. Voilà l'objectif minima des nordistes. Quant à nous, bien sûr, nous allons nous rendre dans le Nord fort de cette 12e place qui est la nôtre, avec un infime espoir d'obtenir la 11e au final. Ça tiendrait compte d'une victoire à Lens de notre part et d'une défaite des Toulousains contre Brest. Mais attention, on pourrait descendre à la 13e place au bilan de cette saison, en cas de défaite à Lens bien sûr, et de victoire de Strasbourg à Lyon. Vous voyez, avec des si. Bon, quoi qu'il en soit, nous sommes 12e et tout nous laisse penser que nous le resterons à l'issue de cette partie face à la formation de notre ancien camarade Eli Wahi, Ruben Aguilar, qui n'est quand même pas une forteresse imprenable, ma foi, pour Européens qu'ils sont potentiellement à ce jour. Ils ont quand même concédé 3 fois le nul et 4 défaites, dont une assez parlante quand même à Bollaert contre le football club de Metz. Donc vous voyez que ce ne sont pas pour autant des adversaires totalement imprenables. Pour cela, eh bien, nous aurons ce crédit, et ma foi, un crédit qui va se défendre, celui de rester sur 4 victoires à l'extérieur, au Havre, à Reims, à Toulouse, à Nice, et un match nul à Clermont. Équipe à forte capacité à pouvoir se déplacer avec un certain bénéfice à l'arrivée. Ma foi, ce sera nous. Et pour bien terminer cette saison, gageons que cette belle série se poursuivra. Sans plus de pression, vous savez pourquoi. Ce dernier rendez-vous de la saison, on vous le donne ce dimanche soir à partir de 21h à Bollaert. À dimanche.